alle zusammen. Hier ist Tior. Ich freue mich, euch heute für eine neue Episode von Victoria 3 wiederzusehen. Comme elle l'a dit. Hello tout le monde, c'est Thiob. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Prusse qui est devenue la Confédération de l'Allemagne du Nord qui est devenue l'Allemagne. Bon, la fin, j'avais pas écrit tout ce qui est Allemagne du Nord, Allemagne. Mais voilà. on s'est arrêté sur l'épisode précédent. Oh voilà, on avait libéré quelques pays, tout là, là. Voilà, on avait libéré plein de petits pays sympas et tout. Bon, on va reprendre. Alors, je sais pas si on peut reprendre les conquêtes à cause de notre bonhomme qui est très infâme. C'est un bandit. C'est un bandit, notre dirigeant, lui. 67 ans. Et ça se trouve, il en a encore pour plus de 30 ans avant d'y passer, quoi. Mais dans tous les cas, on a bien développer notre économie, mais on va manquer les fangs. On provoquait un soulèvement autochtone. Alors, déjà oui. C'est pas incorporé le Kenya. Ah, c'est pas fini. Je peux pas. Ah, j'ai pas d'intérêt ici, c'est pas lourd. Bah on va envoyer du monde contre les fangs. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Hein. On va mobiliser. Hop là. Bonjour, bonjour. Il y a 4 fronts. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Faut bien changer un peu. Voilà. Et là, je pense qu'on va pouvoir établir une colonie hein, au niveau du delta du Niger. Il y a énormément d'habitants. Donc si on peut le choper, ce sera carrément bien. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'habitants. Ouais, lui, il compte le Bénin. Ah, mais il est là en plus. Oh, il s'installe bien dans le coin, lui. Hein. Ah, c'est le temps que ça se prenne en compte. Voilà. Là, ça va être un peu plus rapide normalement. Sachant qu'on a. On a la. La quinine. Ce que je vais faire également, ça va être comme j'avais dit. Des académies. Des universités. Oh, attends, j'en ai déjà 51. Ah ouais. Vas-y, on va en faire 100 pour la forme. Au moins, on sera sûr qu'on aura beaucoup de science. Oh la vache. Ça me coûtait cher, hein, par contre. Hein. Ça. Elles sont où les académies? Elles sont un peu partout, en vrai. Bah, je vais continuer à en faire un peu partout. J'en ai lancé combien, là? J'ai pas compté. 9. 10, 13, 17, 19, 22, 31, 34, 35, 36, 39, 35, 48, 50. Voilà. On va lancer. 50. Ah non, on a une de trop. On en voulait. On voulait 100 et on en a déjà 51, donc 49. Oui. Voilà, eux ils vont pas être déçus là, dans 10 jours on est arrivé. Hop là. Là ça grandit tranquillement mais sûrement. On a encore plus de probabilité de la loi de l'assurance maladie, on arrive déjà à 52%. Je peux pas établir d'autres colonies. Hein. Ouais, faible accès au marché. Ah.
faire une voie ferrée et faible accès au marché. Les voies ferrées sont en cours. Bon là on va perdre un petit peu d'argent parce que simplement les fonds d'investissement ne fonctionnent pas sur les académies, les universités pardon. Donc forcément on va dépenser ça dans le vide. Ok, les investissements ça marche bien tout ça, et B. Voilà donc attaquant, non, je suis défenseur, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai en plus, c'est même pas moi qui me suis rebellé. Ouais. Accord commercial de l'Italie, non merci. Ah j'ai déjà gagné deux fronts là sur, sur les fangs. Ça va être rapide, hein. Je sais même pas où est-ce qu'elle est leur capitale. Ils n'ont pas de capitale. C'est bizarre cette histoire quand même. Bon. Ah bon, 300 000 quand même. Bon après j'ai 22 millions en rab. Ça devrait être bon. Alors on va prévoir les futures constructions du marché, paysage, culture de seigle, hop, en bohème on va en faire 20, toujours pas, mais je m'essaierais bien un peu de diplomatie quelque part, je ne sais pas où, je sais pas, je n'ai pas d'idée. Genre un petit pays que je pourrais contrôler, aider. L'Équateur, ouais, non. Non, tout là, c'est pas intéressant. Hein. Essayer par là hein. En Éthiopie par exemple, je vois si je peux déclarer un intérêt en Éthiopie, ouais ok bah tout là hop c'est pas mal aussi hein. Ouais voilà j'ai des voisins dans le coin donc autant essayer de s'en faire des alliés, des protectorats même, ce sera encore mieux. Voilà, moyen argent. Toujours sympa. L'Empire ottoman et l'Egypte sous embargo. Ok, ok. Allez, saligo. On va moins bien s'entendre avec, avec la Grande-Bretagne. Hein. Le delta du Niger, il est à nous. Ah oh, la vache. Rien que ça, c'est déjà 50, plus de 50 000 habitants. Hein. C'est énorme en soi. Je peux pas dire non à 50. Enfin, je peux pas dire. Je peux pas laisser ça gratuit hein, à l'Angleterre. Heureusement, on a bientôt de prévention contre le paludisme. L'Afrique du Sud révolutionnaire. Oh, j'ai bien envie de les aider, l'Afrique du Sud révolutionnaire. Attends, Afrique du Sud, est-ce qu'ils sont sous... Non. Ouais, je les aurais aidés s'ils étaient sous... sous domination anglaise, mais là ils y sont plus, donc je ne vais pas les aider. Ah ouais, l'Angleterre, elle est là, elle est bien foutue ici, hein. C'est les goûts. Bien manie, trêve avec l'Angleterre, ouais. Déclarer de l'intérêt et je vais essayer de me faire bien voir de la Birmanie, etc.
Attends, quoi? État de trêve? Pardon? Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est quoi la blague? C'est quoi les... Hein? J'ai loué quelque chose. Ouais, normalement, le Wadai, il est pas un peu plus grand. Ah, mais si, le Wadai. Il a perdu une guerre contre le Wadai. Le Wadai devait être allié à je sais pas qui. Il y a des mystères, des fois, les gens. Je ne saurais dire. Et là, je vais aussi déclarer de l'intérêt. Ouais, dans le coin, là. Hop là. Oh, l'Empire Sikh. Ouh, il a perdu un morceau lui aussi. Hein. Allez, je vais essayer d'améliorer mes relations ici. Hop, ça je vais incorporer. Oh, je sais pas plus. C'est populé, n'importe quoi. Il y a de la population, je veux dire. Un courant de pensée libre radical se répand dans le monde entier jusqu'en Allemagne. Ça ressemble fortement à une menace, tout ça, hein? Un printemps des peuples, hein, je suppose. Hop, et on va commencer à bien s'entendre avec les Oman. Améliorer les. Oui, on va essayer de voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Avec la Birmanie. Coûte cher de non à financer, ça coûte moins de ça coûte beaucoup moins d'influence et l'influence est chère, donc l'Oman va cesser, on va financer tout ça, hein. Ça viendra, ça viendra. Ouais, là pareil, on va cesser et on va financer. Voilà, c'est plus efficace. On a annexé les Fang, donc on a l'entièreté, je crois, du Cameroun méridional. Non, même pas, on a une bonne partie, mais pas entière. On n'a pas le Gabon non plus, en entièreté du moins. Et je peux établir une autre colonie en Dar el Kouti. Ah, j'ai vu que j'avais plus de. Pu me pas lancer à cette construction. Du poisson, vous voulez, les gars? Pas de problème. On pourra faire des ports. Ping. D'ailleurs. Tous mes ports sont bien. En... J'avais vu que vous aviez besoin de. Papier. Tu m'étonnes. Vu ce que je vous ai rajouté. Je comprends. Ah. Les usines papier, c'est pas possible, j'ai pas assez de travailleurs potentiels. On va faire un Brandebourg. Des outils? On en exporte un paquet. L'hiver, on n'en exporte pas tant que ça. On va en faire un Brandebourg aussi. On va faire 5 voies ferrées, 10 verreries. Est-ce qu'il y aura besoin de soufre? Je ne sais pas. Ah, on n'a pas tant que ça des voies ferrées ici. Hein.
Ok, plus d'investissement maximum dans le système de santé. Moins 3%, moins 0,3% de mortalité en fonction de la richesse. C'est cool. Je peux passer, oui, je peux passer au point suivant. Moi, on va. Il n'y a toujours pas grand-chose à faire. Ça, je le veux, mais ça peut être possible. Le nombre de radicaux augmente. Enfin, on va augmenter la capacité d'imposition en Vénétie. Ça tombe bien, on était limite au niveau de la bureaucratie. Ah oui, c'est parce que là j'ai une voie ferrée en cours. Improductive, ouais. Je vais la retirer si une route est improductive. Hop là. Oh, le PIB. Il était timide hein, sur le début. Mais non. Sokoto contre. Mais pourquoi il attaque le Sokoto lui? Je l'ai pas vu, moi j'aurais défendu le Sokoto, mais mille fois, bien sûr. On a une obligation de la Birmanie déjà. Je vais la lever, hein. Ça fera augmenter beaucoup plus vite nos relations. Surtout pour ce que ça me coûte. Franchement. Il y a beaucoup de population ici. Allez, mettez les Anglais dehors, les gars. J'ai confiance en vous. C'est trop. Ça me coûterait trop cher. J'ai encore un palier d'impôts à baisser en vrai. Pas se presser. Waouh. Prestige, niveau de vie, population et tout. PIB, on est bien. Putain, ça a bugué? Ouais, ça a bugué. Tyrol? Oui. Construction. Ressources, j'ai des mines d'or, elles sont toutes exploitées, il n'y a qu'un tirol, ok. Là, on est bien. Est-ce qu'on devrait vraiment ressources, j'allais dire partir sur les ressources de luxe, mais ressources de luxe, tout ça c'est hors Europe. C'est pas tant intéressant que ça. On va refaire du bois apparemment. Et Cameroun, Roumanie, Tyrol. Ah ouais, mais ça c'est toujours. Je pouvais peut-être changer mes productions. Je vais peut-être pas avoir le choix que de passer en. Celle-là, j'ai combien? Population incorporée, ouais. Employé, rémunéré, sans emploi. J'ai extrêmement peu de sans-emploi et vraiment pas beaucoup de paysans. Comparé aux emplois rémunérés. La majorité, ça vient d'Afrique, où je vais devoir faire énormément de plantations. Donc ouais. On va changer notre type de production, on va tout mettre en automatique, enfin tout ce qui nous fera consommer moins de. Consommer, je sais pas si c'est le moment, oui. Qui nous fera avoir moins de travailleurs. Ouais. Ouais, c'est mieux ça. C'est mieux cette manière de le dire.
partie de récolte. En plus, ça me fera gagner un peu plus de PIB pour la majorité des endroits. Après tout ça, je ne sais pas encore. Je vais attendre que ça se rééquilibre. Normalement, je suis censé déjà avoir un peu plus de travailleurs disponibles. Je l'espère. Parce que là, c'est compliqué. Yes, là j'en ai gagné pas mal. Ça je peux. Ça je sais pas où c'est, ça non. Elbe. Je sais pas où c'est ça, Elbe. C'est un coin là? C'est un coin Elbe? Je sais pas. Je l'ai incorporé, le Monténégro. Oui. Bon, par contre, ce qui fait qu'à mon avis, niveau demande d'outils, etc., ça va être plus important. Ça va parce que j'en exporte énormément, ouais, c'est vrai. Au Mecklenburg, il n'y a pas assez de. Ok. On va en faire 5. Parce que là, ça va coûter cher, je suppose, un peu le transport. Non, même pas. Oh non, il est très accessible. Il est très accessible. On va changer la prod de certains bâtiments, par exemple ça. Ouais. Ouais, ça va libérer de l'emploi, mais là plus beaucoup d'en avoir de du transport. Ah mais si, mais il y a un problème de calcul. Il y a un gros problème de calcul. C'est la mine de charbon. Hein. Oui, parce que regardez là, si je fais ça, ça me dit que le prix va être exorbitant après. Donc en fait, pas tant que ça. Bon, c'est bizarre. Voilà, on va faire ça. Les plantations, on s'en fiche. Ah oui, ça peut être intéressant par contre. Hop là, allons voir. Ok. Ce qui fait que normalement on va pouvoir re-recruter. Hein. Oh, le Danemark. Danemark révolutionnaire. Aïe aïe. Et on va continuer à faire des usines du thé. Des usines du thé, j'ai dit. Oui, je crois. Hein. Allez, béquet. Hop, c'est reparti. Et S, hop, c'est reparti. Aïe aïe aïe. Ah, mais on est allié au Danemark. Du coup, on est obligé de taper sur l'Allemagne révolutionnaire. Non? On va se rapprocher, on va voir s'il nous demande un. S'il veut devenir au Coupeng. Allez, les gars, cassez-moi de l'anglais là. Je sais même pas quels sont les enjeux. Port de traité au Bénin. Ah. Oh, les industriels. L'Allemagne veut de l'aide. Elle propose une obligation, donc on va les aider. Ce qu'on va pouvoir choper.
j'en exporte. Bah, j'en exporte pas tant. Est-ce que je peux refaire? Oui. Hop, on va faire 5 voies ferrées et 20 usines. Je pourrais avoir un peu plus de canons, je sais pas. Je crois qu'il existe quelque chose. Si j'arrive à choper des obligations à des petits pays, de temps en temps ils nous disent au fait, en faisant ça, en disant que vous êtes cool, ça peut vous faire baisser votre infamie. Vous savez quoi, je vais essayer, surtout pour ce que ça coûte là dans, de financer ces petits pays. Hop là, grande campagne de financement. C'est clair. Bon. L'état du Niger, hélas, il sera pas canon. Hein. Bon, je vais y faire quelques. Je vais y faire 10 voies ferrées. Et quelques bonnes plantations de teinture. Voilà. Investissement colonial. Là. Très bien. On a les droits de là en même temps. Ça ne va pas ensemble. On a débloqué les droits de l'homme et le traitement contre le paludisme pour pouvoir aller plus coloniser en Afrique. Oui, je peux peut-être pouvoir faire conservation sous vide. Maintenant que j'ai des terres en Afrique qui va me donner de l'accès à du sucre assez simplement. Ça peut aider, hein. Ouais, enfin, c'est simplement quand il y a des habitants, quand il y a des travailleurs, quoi. Hop, ouais, je regardais si je pouvais pas faire. D'autres colonies, mais pas pour l'instant. À cause de ça, là. Ok, le data du Niger, on va l'incorporer. Ça coûte pas mal en bureaucratie, et surtout, ça prend du temps. 21 ans à incorporer. Oh là 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 là. Mais ça va valoir le coup. On a beaucoup d'argent, on va faire des impôts très bas, voilà. On a une obligation de la part de l'Albanie. J'arrive pas à cliquer dessus. Et on va voir si on peut les faire passer de notre côté. Protectorat ou un truc comme ça. Tout ça, là, on n'a pas réussi à choper d'obligation. L'Oyo qui m'importe des outils. Ah bon? Ok, ils ont dû mettre un port. Un système de santé qui a accru, ok, c'est cool. Ah, je peux faire un dernier niveau des affaires coloniales. Je vais le faire. Est-ce qu'il y a un endroit où... Ouais, déjà, il y a plein d'endroits où... Dans lesquels j'ai besoin de voies ferrées. Comme diraient les autres, c'est la Hesse. Petit jeu de mots, voilà. Avec la province en question.
Ah, j'ai déjà oublié ce que je voulais faire. Mais non. Si. Oh la vache. Bah, je sais pas où le faire. Là par là, il doit y avoir de la population qui est. Ouais. Hop, 5. Allez, 15. Et on va rajouter un peu 5 voies ferrées. Voilà. Le café a une dette envers vous. Le site d'amour a une dette envers nous. Voilà. On va essayer de financer, on va en choper ailleurs. Et le Sidamo, c'est ici. Voilà. Il y a un petit territoire espagnol, quelques îles portugaises. On est en train de gagner forcément en Albanie. On a pris tous les territoires. La capitale qui était coupée en deux, mais vraiment net. Encore du caoutchouc. Pour l'instant, je m'en sers pas. Il m'importe des. Okay. Voilà. Ils ont capitulé au niveau de l'Albanie radicaliste. Maintenant, ma question c'est qu'est-ce que je peux en faire? Diplomatie. Quand on s'entend si mal que ça? C'est quoi le délire? Cordial. Bah, il est cordial. Pourquoi je peux pas faire un protectorat ou un truc comme ça? Ah! Oui, d'accord, j'ai compris. Effectivement. Mais non, je peux pas faire ça pour un. Oh, c'est triste. Un pays fantoche. J'ai combien ma famille? 10,1, c'est tout pile. Ouais, les deux sont alliés et ça coûte très cher. Surtout que j'ai toujours pas les technologies militaires. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis bête. Technologie militaire, allez hop, vite. Et on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, bon bah j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude les lundis, mardis, jeudi à 11h pour les épisodes de Let's Play, les vendredis à 15h pour les épisodes de Let's Play narratif, le mercredi et le week-end de temps en temps pour des épisodes spéciaux. Je vous dis à très vite, c'était Thiob. Ciao!